Rien ne vaut un peu de lecture pour alimenter son esprit. Mais comment faire lorsque tes mains sont occupées? Tu pars guerroyer l'épée au poing? Tu travailles toute la journée au champ? Tu ne peux pas lâcher Bambin qui réclame son attention. Cet épisode est sponsorisé par Audible, l'application des livres audio, séries et podcasts. Profite maintenant de 2 mois d'essai gratuit sur audible.fr/notabene et retrouve plus d'informations sur Audible en fin de vidéo. Bon visionnage! Mes chers camarades, bien le bonjour. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand on joue aux cartes, eh bien, faut un sacré coup de bol pour avoir les 4 rois. Et si on réfléchit un petit peu à ce que représentent ces cartes, c'est même carrément impossible. Parce que avant d'être des cartes, c'était des personnages historiques. Le cœur, c'est Charlemagne. Le carreau, c'est Jules César. Le pique, le roi David. Et le trèfle, Alexandre le Grand. 4 hommes qui ont vécu dans 4 pays très différents sur une période de 18 siècles. Impossible de le réunir donc. Hein. Mais si je vous disais que c'est déjà arrivé? Et si nos 4 rois étaient les membres d'une confrérie secrète? Un ordre de super-héros venu tout droit du Moyen-Âge. Allez, je vous explique. En 1261, le dominicain Jacques de Voragine commence à écrire sa Légende des Saints ou Histoire de la Lombardie. Il compile des centaines d'écrits anciens, utilisant même les sources païennes. Avec tout ça, il forge une véritable mythologie chrétienne, la Legenda Aurea, la légende dorée. En racontant la christianisation de l'Europe, les vies de saints, d'évêques, de rois, mais aussi les miracles, la légende dorée devient vite le top de son époque. En 1476, elle est carrément le premier ouvrage imprimé en langue française, rien que ça. En 1312, l'évêque de Liège Thibaut de Bar passe une commande au poète Jacques de Longuyon. Ce dernier a le coup de génie. Il s'inspire de la légende dorée pour écrire un long poème de 8000 vers, Les Vœux du Paon. Je vous épargne le récit complet qui est très très long, mais en gros, le roi des Indes, Clarus, est tellement amoureux de la belle Faisonie qu'il assiège sa ville d'Éphéson. Heureusement, Alexandre le Grand est là. Il aide la ville à siéger et affronte Clarus. Va-t-il sauver la belle? Les Éphésoniens seront-ils libérés et le méchant défait? Non, en vrai, tout ça, on s'en moque. Hein. Alexandre n'est pas là pour des raisons politiques ou militaires. Il n'a aucun intérêt stratégique à Éphéson. Il n'est pas non plus là pour des raisons religieuses ou ethniques. Dans l'œuvre de Longuyon, même un païen, s'il est chevaleresque, mérite d'être sauvé. En fait, Alexandre entame une guerre uniquement parce que Clarus se comporte mal. Ce qui compte, c'est pas l'issue de la guerre, c'est la façon de la faire. C'est pas la couleur de peau ou la religion, c'est le comportement qu'on a. Les Vœux du Paon, en fait, c'est pas un énième roman de guerre, mais c'est plutôt un code de courtoisie en fait. Clarus, c'est pas un mauvais parce que c'est un adversaire, un étranger ou un païen. Il est mauvais parce qu'il triche avec ce code. Il veut forcer une femme à l'aimer. Mais alors, pourquoi écrire ce code? Eh bien, il faut savoir qu'au début du Moyen-Âge, le noble est tout puissant. Dans l'ordre féodal, il jouit de nombreux privilèges et il est relativement libre. Mais par la suite, la noblesse est prise en étau. Le pouvoir royal s'agrandit, s'affirme et contraint les aristocrates. La bourgeoisie s'enrichit et devient plus puissante financièrement. Enfin, même sa fonction militaire est compromise, car on a de plus en plus recours aux armées de métier, aux mercenaires et aux troupes royales. Si bien qu'au XIVe siècle, certains nobles se demandent à quoi ils servent. Pire, des non-nobles se demandent à quoi les nobles servent. Ça commence à devenir dangereux. Alors là, il faut justifier l'existence de l'aristocratie. Il faut convaincre le roi et ses sujets qu'elle a encore sa place, qu'elle a un rôle essentiel à jouer. Il faut affirmer que l'esprit chevaleresque est quelque chose d'unique, de magnifique, d'irremplaçable. Bref, il faut raconter une histoire. Jacques de Longuyon raconte une magnifique histoire. Tous les plus célèbres chevaliers sortent de la nuit des temps pour se rencontrer, se parler, se confronter. Ils sont preux et courtois, c'est-à-dire capables de prouesses, braves et vaillants, mais aussi bons et doux, polis et raffinés. Ce sont les 9 preux. Et je le rappelle, pas besoin d'être un chrétien pour être un preux. Pas étonnant donc que nos 9 héros viennent de 3 époques différentes. Au Moyen-Âge, on parle plutôt de 3 lois. Ante legem, avant la loi de Dieu, il y a eu le paganisme. Sublegem, sous la loi de Dieu, le judaïsme s'est développé.
Sub gratia, enfin, sous la grâce de Dieu, le Christ s'est révélé pour sauver les hommes. C'est le christianisme. Alors, vous vous demandez, hein, j'en suis sûr, qui sont les neuf preux qui ont été élus dignes de représenter toutes ces époques? On va les passer en revue, mais rapidement, hein, puisqu'ils sont quand même nombreux. On a donc trois preux païens. Tout d'abord, Hector, le mythique prince de Troie qui défendit sa cité jusqu'au bout contre les Grecs, allant même jusqu'à se sacrifier en courant à une mort certaine en affrontant le puissant Achille pour protéger son frère. Puis vient Alexandre le Grand, qui, à 32 ans à peine, avait déjà fondé l'un des plus grands empires de l'histoire. Un roi, mais aussi un philosophe, qui fut le vainqueur de l'Empire perse. Enfin, Jules César, ambitieux général romain qui conquit les Gaules, sauva Rome de la guerre civile, se fit réformateur puis dictateur, avant d'être poignardé par surprise. Puis viennent les preux juifs. D'abord, Josué. Après que les Juifs se soient libérés d'Égypte, ils conquièrent toute la terre promise, une ville après l'autre, provoquant l'écroulement des remparts de Jéricho. Il meurt à 110 ans d'après la Bible, après avoir fondé son propre pays. Puis vient David, un modeste berger qui abat le titan Goliath avec sa seule fronde. Il devient un roi poète, juste et bon, mais aussi conquérant qui assoit la domination d'Israël sur les États voisins. Enfin, Judas Maccabée, qui lorsqu'Israël est menacé par l'empire des Séleucides, n'hésite pas à prendre les armes. Il protège ainsi les lois et traditions juives de toute l'influence grecque. Il nous reste enfin les trois preux chrétiens. Le roi Arthur, évidemment, défenseur légendaire des Bretons chrétiens contre les Saxons païens, fondateur de la légendaire Table Ronde, où se réunissent les plus nobles chevaliers du monde. Suivi de Charlemagne, empereur d'Occident qui agrandit ses états de tous les côtés en combattant les Saxons, les Lombards et les musulmans, et à qui on paye un tribut dans la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Et enfin, Godefroy de Bouillon qui participe à la première croisade. Il devient alors l'avoué du Saint-Sépulcre, ce qui signifie, de fait, le roi de Jérusalem. On est déjà face à une galerie de personnages assez impressionnante. Et c'est très malin d'utiliser ce procédé. D'un côté, on glorifie le passé, on rend hommage à ses héros, et de l'autre, on légitimise le présent. L'aristocratie médiévale se pose en héritière de cette lignée héroïque. Pour vous donner le parfait exemple, si on situe la guerre de Troie aux alentours du XIIe siècle avant notre ère, 23 siècles séparent Hector de Troie de Godefroy de Bouillon. Et pourtant, ils sont présentés dans un même ensemble. C'est le plus grand crossover de tous les temps. Même Marvel fait pas le point. D'ailleurs, à propos de Marvel, il y en a un qui a trouvé la meilleure expression du monde, et c'est Florian Besson. Pour lui, les neuf preux sont les Avengers du Moyen-Âge. Et c'est exactement ça, hein, des héros issus de plein de cultures différentes qui font cause commune pour sauver la Terre. Et que seraient les Avengers sans la guêpe, la sorcière rouge ou encore la veuve noire? Au Moyen-Âge, la femme n'a pas toujours la vie facile. Alors Jean Lefebvre, officier au Parlement de Paris, en a marre de lire des ouvrages misogynes. Il achève en 1387 le livre de Lès, dans lequel la dame Liesse, la personnification de la joie, défend les femmes. Et il ne fait pas les choses à moitié. Écoutez donc ces quelques vers. « Certes, au sujet des prouesses, affirme madame Lès, les femmes sont plus preuses, plus vaillantes et plus vertueuses, que les hommes ne le furent jamais. » Les femmes sont plus preuses que les hommes, hein, carrément. Et Jean ne s'arrête pas là. Le gars, il est à fond dans la parité, et donc il propose à son tour une liste de 9 preuses. Comme leurs homologues masculins, ces preuses rencontrent un énorme succès. On en fait des poèmes, des sculptures, des tapisseries, des fresques, des peintures, on écrit leurs exploits et on change leur nom. On change leur nom? Eh oui, et c'est pour ça que je n'ai pas encore listé les 9 preuses. En fait, l'impact des preux et des preuses est tellement énorme sur la totalité du continent européen qu'il donne lieu à plusieurs phénomènes de mode absolument incroyables. Et le premier d'entre eux, c'est que chaque pays, chaque lignée royale édite sa propre liste de preux et de preuses selon sa culture sociale ou son intérêt politique. Généralement, on garde les noms liés à l'antiquité païenne et à l'antiquité juive. Mais si Godefroy de Bouillon est très parlant pour les Francs et les Allemands, il est beaucoup moins célèbre dans d'autres pays. Qu'importe, on le remplace pour coller à un héros plus local. Or, les preuses de Jean Lefebvre sont quasi toutes tirées de la mythologie gréco-romaine. Ce sont exclusivement des Amazones guerrières, violentes et redoutables. Avec le temps, d'autres versions sont proposées incluant à nouveau trois triades issues des lois païennes, juives et chrétiennes. Les listes étant beaucoup trop nombreuses et différentes, j'ai dû bricoler un peu la mienne à partir de listes existantes, en prenant les noms les plus connus et qui collent à la structure en trois triades. Allez, je vous la présente. Parmi les preuses païennes, on trouve Lucrèce,
une noble romaine qui, violée par le fils du roi Tarquin, alerte sa famille et se donne la mort. Elle a la vertu de ne pas survivre à son déshonneur et son suicide provoque la chute du dernier roi de Rome. La cité devient une république. Vient ensuite Sémiramis, une légendaire reine d'Assyrie qui serait à l'origine des célèbres jardins suspendus de Babylone et de nombreuses conquêtes dont l'Arménie et l'Éthiopie. Enfin, on peut présenter Penthésilée, la fille du dieu de la guerre Arès, qui est reine des Amazones. Elle défend la cité de Troie contre les Grecs et ne succombe que face à l'invincible Achille. Viennent ensuite les preuses juives. Esther tout d'abord, qui dans la Bible est l'épouse du roi perse Assuréus ou Xerxès Ier. Elle parvient à sauver son peuple du cruel ministre Aman, assurant les Juifs de la protection du roi. Vient ensuite Judith, qui lorsque les Babyloniens envahissent Israël, fait voir leur général Holoferne avant de le décapiter, sauvant ainsi son pays d'une longue guerre. Enfin vient Yaël, qui comme Judith, tue un chef ennemi. Mais il s'agit cette fois-ci du général cananéen Sisera, qu'elle tue dans son sommeil à l'aide d'un marteau et d'un piquet de tente. J'avoue, elle est pas très subtile. Enfin, les preuses chrétiennes. On trouve d'abord Hélène, une ancienne courtisane ou amante de l'empereur, devenue impératrice romaine et mère de l'empereur Constantin, qui aurait découvert les saintes reliques de la Passion du Christ à Jérusalem. Puis Brigitte, une princesse suédoise devenue intendante du royaume qui se fait religieuse. Elle entretient une importante correspondance diplomatique et politique avec les papes et les princes de toute l'Europe, ce qui fait d'elle encore aujourd'hui une patronne de la Suède et de l'Europe. Enfin, Élisabeth, langravine de Thuringe, qui ne se contente pas de régner. Elle se tourne aussi vers la vie religieuse franciscaine, fonde des églises, fait des aumônes, mais aussi des miracles. Comme vous voyez, les 9 figures exclusivement guerrières à l'origine sont très adoucies. Les auteurs médiévaux choisissent des exemples de femmes plus en accord avec leur époque, et on a donc quelques figures de conquérantes ou de résistantes, mais aussi des mères de famille, des saintes, des fondatrices et des protectrices. Les écrivains du Moyen-Âge ne comptent pas s'arrêter là. 9 hommes et 9 femmes, c'est bien, mais ça suffit pas. Vous vous rappelez peut-être, j'avais parlé des différentes modes inspirées des preux et des preuses. Elles sont nombreuses et chacune a sa fonction. Première fonction, l'éducation. Les preux et les preuses servent de modèles. En plus de glorifier le passé et de rendre hommage à des figures anciennes, c'est un bon moyen, simple et efficace, d'inspirer les jeunes gens. Le jeune écuyer y a le droit par exemple. Tu veux devenir chevalier ? Alors sois fidèle à ta patrie comme Hector, sois ambitieux comme Alexandre, sois stratège comme César, etc., etc. Le passé est employé à nourrir la nouvelle génération. C'est pourquoi la liste des preux et des preuses change et elle s'adapte au présent. Elle prépare les futurs chevaliers et les dames de l'aristocratie à bâtir un futur où la noblesse a encore sa place au sein de l'ordre social. Le thème des preux est également utilisé comme instrument littéraire. C'est une œuvre raffinée, réservée à la cour et destinée à plaire. Quoi de mieux pour un poète ou un courtisan que d'avoir recours au 10e preux ? Pour flatter un souverain, on fait la liste de tous les preux, on narre leurs exploits, on vante leurs vertus, et à la fin, on présente le destinataire comme le 10e preux. Par exemple, de 1306 à 1314, Robert de Bruce se bat pour conquérir et conserver le trône d'Écosse contre les Anglais. Quelques années plus tard, le poète écossais John Barbour décide d'acter cette indépendance. Dans son ballet des 9 nobles, il fait de Robert de Bruce le 10e preux, le digne héritier d'Alexandre, de David et d'Arthur. Quelqu'un qui a, lui aussi, conquis le pouvoir et instauré un nouvel ordre. Et de la même façon, et de son vivant, Jeanne d'Arc sera souvent appelée la 10e preuse et comparée à la reine des Amazones, Penthésilée. La 3e fonction, vous l'avez sans doute deviné, est politique. Les princes et les rois, à leur tour, s'affirment comme des preux. Dans les châteaux, on s'entoure de leurs représentations comme s'ils étaient des proches et des parents. Et il n'est pas rare en peinture de donner ses propres traits à un preux ou à une preuse. Enfin, on peut pousser plus loin et se déguiser en preux. Parce que, le cosplay, c'est pas nouveau. Hein. Au 15e siècle, le jeune roi d'Angleterre, Henri IV, parce que oui, ils en ont aussi un Henri IV, fait une entrée solennelle dans Paris. Jeanne d'Arc a été brûlée ce printemps, alors il faut marquer le coup. Il entre dans la ville accompagné des 9 preux et des 9 preuses. Ses 18 cavaliers et cavalières l'escortent, portant blason, armes et armure. Parfois, le souverain se déguise lui-même, comme le duc René d'Anjou lorsqu'il visite la tombe du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Je cite alors Jean de Roy, dans sa chronique scandaleuse, « Il avait une grande barbe d'or venant jusqu'à la ceinture, en signification des anciens preux. »
Plus tard, François Ier continuait encore fréquemment de s'habiller en preux lors des fêtes de sa cour. Et les dames le faisaient aussi. Donc oui, vous pouvez tout à fait imaginer une femme faire son entrée dans une salle de bal vêtue d'une armure. Et non, lorsque Jeanne d'Arc revêt son armure, personne n'est scandalisé. C'est plus tard, lorsqu'il faudra s'en débarrasser, qu'on l'accuse de porter des vêtements d'homme. Alors qu'avant, personne ne voyait le problème. Pour faire la guerre, faut une armure, point. Avec toutes ces représentations publiques, le thème des preux et des preuses sort de l'espace aristocratique. Le peuple le voit et y a accès. À Nuremberg, l'impressionnant monument Schönerbrunnen, la belle fontaine, les représente même en place publique. Et voilà, maintenant, vous savez d'où viennent les modèles de vos cartes à jouer. Ce sont les super-héros du Moyen-Âge qui, entre vos mains, viennent se livrer une dernière bataille. Les preux et les preuses, c'est un cycle immense créé pour glorifier, d'Hector à Brigitte de Suède, 26 siècles de chevalerie imaginaire. Un projet d'autant plus ambitieux qu'il s'attaque à une tâche impossible. Rendre sa grandeur à un ordre social en perte de vitesse. De nouvelles armes, de nouvelles façons de faire la guerre, rendent la situation toujours plus impossible pour les chevaliers qui courent de désastre en catastrophe. Alors, on tente le tout pour le tout. On adoucit l'idéal chevaleresque, on le féminise, on l'adapte à la vie de cour, et comme le résume bien Philippe Contamine, le phénomène ne mord plus sur la réalité, il s'évade dans l'imaginaire. Et après tout, pourquoi pas, Pourquoi l'imaginaire ne prendrait pas le relais quand le quotidien devient un peu trop compliqué? Comme l'aristocrate d'autrefois, le citoyen d'aujourd'hui se sent parfois démuni. Il n'est plus trop sûr de sa place, de son rôle à jouer au milieu des bulletins d'infos, des intox, des mauvaises nouvelles. Alors vraiment, je vous souhaite à tous de trouver vos propres modèles de citoyens, des preux et des preuses des temps modernes, dont la réussite et les exploits vous inspirent. Et vous savez quoi? Vous pouvez même me faire votre liste de preux et de preuses en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Jean de Boissaison. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut. Merci également à notre sponsor pour cette émission, Audible. Audible, c'est l'application des livres audio, des séries et des podcasts. Et ce qui est pratique avec le livre audio, c'est qu'on peut vraiment l'emmener partout. Par exemple, j'aime bien tout ce qui touche au fantastique, à l'imaginaire, au merveilleux, et comme vous l'avez sans doute déjà vu sur la chaîne avec tous les épisodes autour des magiciens, des nains, des elfes et de tout le reste. Et ben, avec Audible, je peux par exemple écouter, si je cherche, Harry Potter, on a tous les tomes, donc en partant sur les routes avec ma voiture pour les tournages Nota Bene, et bien je peux écouter Harry Potter, et vu qu'il y a plusieurs tomes, et bien ça peut tenir quand même un moment. Puis quand je pars pour d'autres raisons, avec mes gosses par exemple, il y a aussi des trucs vraiment très chouettes dans le catalogue Audible, comme Sacrée Sorcière pour rester dans le thème. Cette fameuse histoire d'un enfant qui se retrouve au milieu d'un congrès de sorcières et qui va être transformé en souris. D'ailleurs ça a été adapté par Pénélope Bagieux en BD, c'est vraiment chouette. Et puis pour rester dans le fantastique, il n'y a pas très longtemps, est également sorti une nouvelle traduction du Silmarillion, un indispensable vraiment pour comprendre l'univers de Tolkien et donc du Seigneur des Anneaux. Et cette nouvelle traduction, elle a fait l'objet d'un audiobook sur Audible, donc ça peut être l'occasion, là aussi, de se jeter dessus. On avait reçu, il y a pas très longtemps sur la chaîne bonus, Vincent Ferré, qui a justement supervisé cette nouvelle traduction, donc ça vaut le coup. Bref, si ça vous tente de découvrir ce livre et beaucoup d'autres sur Audible, c'est peut-être le moment. Audible, c'est un catalogue de 600 000 titres à disposition, dont 15 000 en français, qui sont téléchargeables et consultables hors connexion. L'abonnement est de 9,95€ par mois, et avec cet abonnement, vous avez le droit à un livre audio par mois. Si vous en voulez plus, il faut en rajouter, mais honnêtement, un livre par mois, c'est déjà super bien. Et pour ce partenariat qu'on a mis en place, eh bien, vous pouvez vous rendre sur audible.fr/notabene pour avoir 2 mois gratuits, donc 2 audiobooks gratos. C'est toujours bon à prendre. Je vous remets toutes les infos en description, donc n'hésitez pas à tester. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt. Salut.